Allez, bonjour à tous, on est reparti pour une troisième session, ce sera la dernière session du soir pour ceux qui viennent d'arriver. On va s'occuper d'Enan Karak-Kadrin, tôt ou tard, on va attendre qu'ils viennent à nous, bien sûr. Attendez, j'ai vu quelque chose. Les entités ne peuvent pas mourir comme cette capacité est activée. Chouette! Salut Mitrandir, bienvenue à toi. Allez, on va poser le siège. Donc, Mitrandir, je te fais un petit résumé vite fait. On extermine Ostermark. Kislev est en train de se faire une prise par des hommes bizarres. Kislev, d'ailleurs, dans quel état? Kislev. Il tient encore, hein. Ils sont en guerre contre qui? L'Osland, les défenseurs du Grand Dessin et Clan Mulder. D'ailleurs, vous êtes 6, vous avez un peu qui c'est qui a par curiosité. Mais bienvenue à vous en tout cas. Alors, il y a Gingern, je ne sais pas si c'est un bot ou c'est un humain. Il y a Loubou, il y a Mitrandir, il y a Momon et il y a Thanos. Bah, bienvenue à vous les gars pour cette dernière VOD. Alors, l'objectif du soir, éliminer Karak-Kadrin. Ça sera la deuxième faction au moins sur le jeu. Et essayer d'exploser la tronche à ce crétin de l'œil rouge. Parce que lui, il fout rien depuis le début de la partie, et c'est Bibi qui doit tout s'y coller. Hein? On va avoir des squeaks bientôt. Je sais que ça va pas être passionnant les streams, hein, des fois, mais je vous avoue que m'attaquer à une forteresse avec des tueurs nains à l'intérieur, non, non. Sachant que les tueurs sont vraiment overpétés, hein. Je suis désolé de le dire, mais de me dire que l'axe du bien était nerfé entre guillemets, je suis pas d'accord pour le moment. Tant qu'ils me feront des armées tueurs. Ah bah tiens. Ah bah tiens. Ouf. Ouf. Vous la sentez venir la quenelle là. Après j'ai Azag, il a des sorts maintenant. C'est vrai. Momon il a le meilleur sort. Loubou t'es un bon spécialiste en 1v1 contre une grille, t'as fait le boulot, j'ai vu. Attends. Sans droit de commandement aussi. Oh là là. Mamma mia. On va encore douiller. Là, je vais pester un petit peu, je vous le dis. Ma ligne de front, ça va être les orques costauds, les aiguillères sur les fonds et les archers empoisonnés pour les cibles. Bah, je vais essayer de jouer sur les escarmouches déjà, mais ça va être chaud, Thanos. Hein. T'as vu? Honnêtement, je trouve que la faction de Karak-Kadrin est tellement abusée quand elle joue par l'ordinateur. Après, je sais que c'est le tueur, légendaire, etc. etc. Mais bon, après, j'ai des. Bon, après, c'est vrai que mes costauds ils sont améliorés pour certains. J'aurais mis des dégâts perforants. Ça peut avoir son utilité à un moment. J'ai le lance-roc, j'ai le shaman. Et j'ai aussi un spécialiste 1v1 pour essayer de tuer rapidement. Comment il s'appelle Ah, merde. Pour tuer avec Ingrim. J'ai déjà tué une fois, je peux recommencer. Là, j'ai joué sur mon artillerie pour essayer de shooter mon adversaire. Je commence à shooter la unité de mineur nain de ce que j'ai vu sur ça. Ils ont combien de vitesse, tiens, si tu veux. Je sais même pas combien de vitesse, j'ai pas dû regarder. Ouais, c'est à baiser, hein. Enfin, je sais que c'est sa spécificité, mon gars, mais c'est tellement abusé. Ils sont où, mes trolls? Ça, ils sont en arrière. Je les ai exprès en arrière pour éviter les emmerdes. J'ai testé les archers, là. Comment ça marche?
moins cher quand même. Je vais envoyer mes deux blindés à ici. La première charge de rod va bientôt être remplie. Faut que nous allez. Ok, attends, je vais baisser le son. Désolé. Voilà, ça devrait être mieux comme ça. Je vais baisser comme ceci, ça devrait aller. Putain. Je vais me faire avoir, hein, c'est certain. Hein. Punaise, même mon spadassin en vain il se fait démolir, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh là là, bah là, là ça va être le game over de la partie. Les tueurs n'ont rien pris. Je suis dans la merde. Et ils me disent 50-50, hein, le jeu, bien sûr. Très, très logique. Hein. Après on dit que je vais râler sur les nains, mais bon. Ah putain, mes araignées qui croisent des tueurs, bah, bien sûr. Mais bien sûr. Mon chaman orc qui va vite se barrer. Et je vais tenter un pied de gorge dans le temps. Hein. Ouais. Il faut tenter un pied de gorge là, sinon c'est mort. Dites-moi que ça passe. Non, c'est complètement fait de démolir. Allez, allez, tuez-le. Et encore, il y a trop d'unités, je vais jamais pouvoir tous les battre. Chouette, hein. Chouette les nains. Toujours aussi cancer à jouer contre eux. Ils ont rien perdu. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre une armée comme ça? Ouais, bah, je l'ai utilisé, mais Thanos, elle était en train de se recharger, mais bon. Oh là 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 là.
Oh, ça fait chier, quoi. Bon, d'un autre côté, on va prendre... Regarde. Il a perdu quoi? 3 unités à peine, hein. 3 putains d'unités. Et donc là, Thanos, je te réponds clairement. L'axe du bien, c'est toujours aussi OP. Et je crois que je vais me barrer de Karak-Kadrin. Je vais peut-être sacrifier ma petite cité, tant pis. Mais je vais me replier derrière. Il faut que je trouve un moyen de d'éliminer ce Karak-Kadrin là. Ouais, bah je crois que je vais faire ça. Hein. Bon, par chance, Lobo et Momon, vous avez survécu. Ça, c'est cool, quoi. Mais bon, il me faut l'économie aussi, c'est ça le souci. Même des archi-gobelins échos. Ouais, les archi-gobelins, je sais que ça fait mal, quoi. Non, c'est pas le camp que je veux faire, c'est ça. Ça repasse derrière. Je peux pas recruter. Non, je peux recruter qu'en camp, logique. Je pense que je vais spammer les archi-gobelins empoisonnés. Hein. Je vois que ça qui peut leur faire mal. Et il me faut du lourd. Alors, Lobo, on va lui mettre plus de dégâts. C'est peut-être ça aussi qui manquait. Momon, je vais te mettre quoi? Casse-tête, ça peut être utile. Ok. On va se remettre dans la Caracrasia et on verra quoi. J'ai vraiment du mal à contre Sénin, quoi. Zulbar et le clan Féerique sont en play, je ne sais pas qui est le clan Féerique. Et l'autre qui me dévalise dans le dos, ça me saoule aussi, quoi. Mais on est à neuf, on est d'accord que les gobelins de la nuit avec le poison, ça peut vraiment être utile contre les... Comment ils s'appellent? Contre les... Comment ils... contre les tueurs. Avec le poison, ça réduit leur stat sur le papier. Je vais me reprendre quelques costauds. Ok, et plus de gobes. Et au prochain tour, je recruterai deux autres archers gobos. Arracher les dents, ça peut être bien pour un peu plus d'argent. Il va y avoir un Thanos et un Mitrandir qui vont bientôt apparaître. Je vais commencer par le Thanos. Là, les orques, les nains du tueur, là, on va vite s'en charger parce que là, ça peut plus durer cette situation. Et t'inquiète pas, les archers, je vais les bourrer là. Dans la deuxième armée, je vais faire que ça quasiment. Ils vont rien comprendre. Là, ils m'ont mis en colère. Oh, les vers qu'ils se lèvent sont en guerre. Ça m'arrange. Occupez-vous-en, les vers. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Archer gobelin de la nuit, je prends. Tiens, Thanos, allez. Par contre, j'hésite. Je vais regarder ces lettrés. Un chef gobelin de la nuit. Lui, il me plairait bien, le stratège. Perspicace, ça m'intéresse pas. Sadique, ça ne m'intéresse pas. Le grand chaman. Les chamans contre les nains, je dis que c'est non. Tiens, tu vas voir. Sans offense, hein, Thanos.
Voilà. Les squigs ne serviront pas contre les nains. Là, il va y avoir de l'archi-gobelin en masse. Puis bon, je sais que t'as compris les deux références, hein, Thanos Boy. Bon, c'est ton petit surnom, hein, c'est sans no offense, bien sûr. Et il swap tout, c'est le Thanos de Marvel, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu te fous de ma gueule? Non, mais. Tu te serais pas fait péter la tronche par hasard? Moi, quand je vois Thanos, je pense à ça. Hop. J'essaie de te trouver un personnage, mais t'en dire. Bah tiens, je vous mettrais bien deux, les gars, dans la même armée. Comme vous êtes souvent en vadrouille à deux. J'espère que ça suffira. Oh, j'ai toujours pas fait la mine d'or, c'est ça le souci, quoi. Tu vas voir, là. Il va avoir deux armées arrivées chez lui, il va se poser les bonnes questions, je pense, hein. Il s'est passé quelque chose. Vous avez vu le renfort de Karak-Kadrin? Il y a eu quelque chose, c'est pas normal. Ils avaient pas un rang comme ça quand on s'est battu. Ils ont dû se faire péter. Oh. Je crois savoir ce qui se passe. J'ai une petite théorie à mon avis. Non, je pense pas, Mythe, je pense pas. Par contre, on va être au niveau économie, ça va être un peu short, hein. Ouais, on est à moins 70, ça va. Je prends pas le risque de recruter plus. Bon, déjà, je vais faire un truc. Je vais me mettre là. Pourvu que l'autre il se pointe pas ici, quoi. Non, je peux pas améliorer mes bâtiments. Il a eu quelque chose là. Il faut pas trop traîner. Je vais passer en camp ici et après on verra quoi. Le problème c'est que je sais pas comment ça se passe avec lui, mais il recrute tellement vite. Ouais, là j'ai envie de me venger, clairement. Ah bah tiens, il y a une deuxième armée. Lol. Et ça va recruter aussi des tueurs. Par contre, j'ai remarqué que les tirs de la WAG ne fonctionnent pas sur le système. Alors, toi. Je vais te mettre là. Voilà. Putain, mais 7 tueurs, mais va te faire foutre, quoi. 7 tueurs, vous vous rendez compte? Je râle, mais merde. Putain, mais... Ouais, on va essayer, hein. On va essayer. Ah oui, on a perdu la catapulte, j'avais oublié.
Oh putain, on a perdu notre seul avantage, entre guillemets, la catapulte. Je viens de m'en rendre compte. On est un peu dans la merde. Je vois un petit peu les buffs qu'ils ont. Ouais, on va essayer comme ça, Thanos, hein. Et le troll, voilà quoi. Faut voir d'où ils vont popper les copains. Oh, ils sont pas si loin que ça en vrai. Et je te jure, je vais leur faire un petit gork avec mon chaman. Ah, j'en ai rien à foutre là. Je pense qu'avec le loup, vous pourrez bien comboter si jamais il y a un des seigneurs nains qui s'approche. Ouais, je sais ce que tu veux dire, la grosse mêlée quoi. Par contre, ils vont avoir un avantage de portée sur moi, hein. C'est ça qui m'ennuie. Est-ce que tu as une capacité spéciale en tant que chef gobelin? Non, t'as pas de capacité. Par contre, les points de voix 4250, il faut les obtenir, hein. Je crois que je vais mettre mes infanteries en première ligne. Après, comme les nains n'ont pas d'armure, ça devrait aider. Il est où Ingrim? Il est là-bas. Ah non, c'est un autre héros. Oh putain, il y a deux héros. Il y a un autre seigneur et un héros. Oh là là. Bon, on va les laisser venir. Après, je peux envoyer mes deux archers orcs au cac aussi, hein, j'ai pas peur, hein. Ils sont là pour ça aussi. Allez, venez, là, je vous attends. Après, Azag, il pourrait one-shot les héros nains, c'est mon buveur de sorts. Là, j'ai tous les sorts avec moi-même qu'il me faut, quoi. D'ailleurs, je regarde juste par curiosité, c'est où le jusqu'où il va de pied de Gork. Il a une bonne zone, hein. En vrai, ça sur les tueurs, les tueurs, ils sautent sur le papier. Vas-y, envoie tes tueurs petit à petit qu'on rigole. Après, j'ai du poison, effectivement. Je vais tirer ma ligne ici pour qu'il tanque. Toi, tire-moi là. Comment ça tire là? Vous deux. Là. Il faut les abattre. Hein. Ouais, ils prennent cher là. Mais trois unités d'archer à chaque coup. Il faut taper où? Oh là, il y a un beau blob là. Quoique, attends, on peut attendre les tueurs nains derrière ou pas? On va tenter là. Azag, tu vas t'occuper d'une grime ici, s'il te plaît. Moi, ouais, et beau fin ici. Hein. Putain, ma ligne va se faire enfoncer. Il me faut alors, qui c'est qui fait quoi? Alors, il me faut Loubou et Thanos, ici, Lungrim. Il est là. La WAC, vite. C'est quoi ça?
Deux tueurs, oh là là. Bon, les igloos ils sont en train de fuir, fallait s'y attendre. Le troll là-bas. Ouf, mon flanc s'est complètement craqué. Aïe aïe aïe. Je refais un buveur d'esprit. Je refais un. Ah, je peux plus faire pied de gorg, sérieux? Ah, j'ai pas les moyens. Il nous faut du nom. Ici, allez. Archi-orc au cac. Archi-orc au cac. Putain. Je vais pas y arriver. Hein. Trop les nains de Caracadrim. Hein. Après, là, il est en train de souffrir, l'autre, là. J'ai le glissant sur le bout, là. Allez, dites-moi que ça passe. Bon sang, dites-moi que ça passe, un moment. Ouais, je vais reculer tous mes archers, bonne idée. Mais là, le problème, c'est qu'ils vont se faire pourchasser, hein. Quelques tueurs, hein. Les zigouillards, là, occupez-vous de ça. Oh là là, non, il y en a trop, Thanos. Je pourrais jamais tous les abattre, regarde. Oh là là là, mais c'est une honte, quoi. C'est ce que je leur dis de faire, Thanos. C'est ce que j'essaie de leur dire de faire. Ton personnage, ils sont au point d'y passer, ou vous aussi. Mais ils vont crever, oui. Allez, regarde aux morts ici sur lui, ou tout seul. Non, mais c'est pas vrai, ça. Il est où, là, Hungrim? Ils ont un maître des runes, en plus, c'est vrai. De charger là, mais ça va être chaud. Bon, au moins Grim il est blessé. Ok, la Zag recule. Bon, bah on a encore perdu, hein. Je comprends pas. Ah, j'avais pas les points, Thanos. J'avais pas les points. Oh. Bon, bah, je vais devoir changer de cible, hein. Chouette. C'est tellement anormal que les tueurs soient trop forts, quoi. J'espère que t'es encore en vie. Ah, oh, ça me déprime, quoi. J'ai pas encore dit mon dernier mot après. Ah, l'autre il attaque, attends. Sanglant a souffert de l'ordre. Bon, ok, on gagne un bon trait bonus.
Attends, c'est peut-être pas perdu. Tu vas voir. On va se poser là. On va piller ces terres. Il y a encore peut-être un petit espoir, mais ça va être chaud. Je vais mettre 3 gobelins ici. On va buffer les gobos encore. On va lui mettre revenez ici, ça va augmenter le commandement. C'est ça qui nous manque aussi, le commandement. Loubou, il est rang 8. Je lui mets son araignée, je lui mets type louche. Et spécialiste en survie à fond. Notre momone, on met type louche aussi. Plus d'ordre public. Plus de sorts. Le conduit arcanique, il l'a. Très très bien. Il y a lui qui a stack, qui a sèche qui a cadrine là. Bah là, il faut que je me reconstitue Thanos. J'ai pas le choix. Il faut que je pille un peu, je vais me refaire des sous comme ça. Je vais mettre brut. Je vais tout de suite rusher ces techs là. Si les deux là attaquent sur Karak-Kadrin avec un peu de chance, on pourrait être pas mal quoi. Regarde. À mon avis, le récidiveur là il est toujours en guerre contre lui quoi. Ah, Karazakara qui sont en guerre contre le clan Ishin. Oh, les deux arts, vous avez vu ça? Vous avez vu ça? On va peut-être récupérer Karak-Kadrin gratos. À moins que. L'autre, il pourra pas refaire d'armée. On a peut-être une chance. Ah, il y a l'autre qui a déclaré la guerre. On va vérifier, on va se méfier. Non, il faut tenter de pousser là. Ils pourront pas sortir. Ouais, bon après ils ont une garnison de cochons aussi, hein. Attends, comment je peux le mettre au support de la cité? Ah, il est toujours en camp. Voilà. Ouais, c'est ça que j'ai prévu, Tanif. C'est chiant, des fois, ces boutons qui bug. Regarde, je veux cliquer dessus, ça bug. Non, mais. Allez, là. Faut bouger, monsieur. Est-ce que je vais faire un test? Est-ce que je suis à portée? Si je vous la fais, je sais que c'est bon. Ok, c'est un peu mieux. J'aurais pas d'unité de. Comment ça s'appelle? Je vais recruter un autre archer et je vais recruter deux comme ça. J'espère qu'ils vont pas sortir. Hein. Quoique. Putain, là, il est quasi mort, quoi. Vous allez voir qu'il va sortir. Vous le sentez?
Moi, je le vois arriver. Hein. Il va sortir cet abruti. Ah non. En plus, leur argent s'est complètement foiré. Bah là, c'est là c'est bien. J'ai pris deux raclés, mais on va se venger. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va se venger. Ils peuvent plus recruter, ils sont condamnés. Et prochaine étape, on va aller fumer le récidiveur là. Comme ça, on récupérera la faction et on sera en bonne position. Par contre, je demande à piller la ville, hein, c'est obligatoire. Ché, comme on dirait dans le milieu. Ça va être long d'attendre, c'est pas plus passionnant, je suis d'accord, mais là je suis vraiment obligé. Au pire, j'émergerai, je combine un des unités avec l'autre armée, c'est pas un souci. Mais moi, je vais me débarrasser de ces foutus rois tueurs là, qui se prennent pour les dieux des nains. Et là, ça va être terminé bientôt. Mais avec Azak, ça voudrait dire qu'il faudrait partir sur des. Sur plus, on pourrait partir sur les costauds, mais ouais. Après, j'ai fait le test en très difficile aussi. Je sais qu'il y a une marge de niveau, mais bon. Tiens, je vais m'amuser à faire du découpage. Hein. Oh, Thanos, il a eu un rang. Alléluia, mes frères. Marcheur, maître d'épée, présence charismatique. Je vais te rajouter des gobos en renfort. J'ai combien d'archers là? 4, 6, ouais. Il y en a qui vont bientôt manger leur tête, leur barbe là, ça va faire bien. La tête de Ungrim sur comme trophée, si c'est pas beau. Peut-être que je vous ferai un petit montage à la fin de la campagne avec tous les héros qu'on a tués avec Azag, ça pourrait être marrant. Genre une espèce de petit montage vidéo vite fait quoi. Je l'ai fait pour Isengard pour ceux qui ont vu. Avec tous les héros du rond et la Lothlorien qu'on a éliminé. J'aurais aimé éliminer quelques héros du Gondor célèbres comme Denethor, Boromir ou Faramir, mais j'ai pas eu l'occasion. Kalen, ça a fait un beau pillage ça. Moi j'assèche pas ça, hein, c'est hors de question. Faut entendre 6-7 tours au moins. Voilà un peu les objectifs où on en est. On a déjà pillé 2628 quand même, hein, c'est pas mal. Je pense que si cette heure du chaos il embête tout le monde, je vais lui exploser la tronche quoi. Zoubar n'existe plus, ça a dû être rasé par les contes vampires, je pense. Par des Skaven. J'espère que je vais pouvoir avoir les nouvelles unités aussi, là, les nouveaux trolls. Ça pourrait être pas mal. Allez, j'ai trois armées qui sont chez moi en intrus étranger, bah bien sûr. Attends une
une seconde. Est-ce que si j'attaque, l'autre il vient? L'homme bête, hein. Non. Ça commence à être intéressant, mais non. J'essaie de lui demander de nous rejoindre la guerre, là. Il est où, cet homme bête? Il est un peu plus fort que nous, c'est ça le problème. Comment ça, une amicale? Aversion, ok, grande puissance, d'accord. Bah, pour le moment, tous les rois des tombes sont encore en vie. Bon, bah, la Sylvanie s'est emparée de Zubar, ça m'arrange pour le moment. Au moins, il s'occupe des nains au sud. Moi, je peux tranquillement terminer Karak-Kadrin. Et je pense que je vais aller faire un petit tour à Kislev, un de ces quatre. On va avoir besoin de récupérer Kislev et Malphos. Pour se faire un avant-poste, non, on va essayer. Non, on peut toujours pas y aller. Hein. Dans 5 tours, la ville tombe, j'annonce. Je peux pas faire d'autres techs si ça. Je pourrais faire cette tech là aussi, c'est quoi qui peut être bien? Exploitons-les, ça pourrait être utile aussi pour les gobelins de la nuit, effectivement. Toutes les unités de gobelins plus 3 d'attaque. Je regarde juste un petit peu leurs stats. 35, ils pourraient monter à 38 quoi. Bon bah j'annonce, demain soir on continue voir la campagne. Et samedi c'est du Edge of. Voilà, pour ceux qui s'intéressent, je continuerai les campagnes de Rise of Raja bien sûr. Ils sont arrivés, ils ont explosé la horde, tranquille. J'espère que ça lag pas trop aussi, parce que bon là mon PC chauffe, hein, je le dis. Ils sont arrivés à 3, ils ont refait le portrait, l'homme bête, il a rien compris. Alors, loubou, 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 notre loubou. On va le mettre en contre-attaquant, on va encore augmenter ses dégâts de... Ah, t'as attaque empoisonnée en plus. Ah bah punaise. Et eux, ils veulent pas nous aider des fois. Oh, il fait chaud, Thanos, clairement. Il doit faire moins 25 degrés, facile. Allez, dans 4 tours, on refait le portrait à Karak-Kadrin. Et au prochain, demain, on s'occupera du chef, là. Il faudrait choper le chef en 1v1 avec Azag, on le dégomme, on le confédère et basta, quoi. Et après, on part à Kislev. Je pense que ça peut être un bon programme. Je fortifierai bien l'antre de Garashnak, là. Bah, je te mettrai en chef, je te mettrai là-bas pour gérer la ville, Thanos. En attendant, je transférerai les forces à Azag et on verra. Great.
Normalement, je peux avoir. En tant que chef gobelin, tu as le grand squeak des cavernes, Thanos. Avant ça, il l'avait pas, il me semble. Ça, tu l'avais pas, les grands squeaks des cavernes. En tant que chef gobelin de la nuit, ça me parle pas. On va buffer les gobos. Il me semble que c'est la nouvelle monture, ça. Enfin, une des. C'est un des qui fait partie du rework. Parce qu'il serait logique, hein, que t'aies un squig. Ils vont pas lâcher. Hein. Profitez dans deux tours, vous êtes un souvenir du passé, quoi. Vous serez swappé. Momo, lui, il va avoir un sanglier, Loubou, une araignée. Thanos, il peut avoir un squeak, c'est une vraie ménagerie, mon armée, c'est pas possible. Par contre, les gars, vos montures, c'est dehors. C'est dehors, vous m'entendez? Dehors. Je veux pas dans la tente. Hein. Surtout le squeak, hein. Je dis ça comme ça, le fait qu'il bouffe tout et n'importe quoi, je veux pas avoir de conflit. Hein. Déjà, quand je vois qu'un squeak, ça peut bouffer Arcaon en vidéo, voilà quoi. À ce rythme, moi je joue à The Tycoon, hein, autant dire. Là, je vais essayer de monter Karakungor au niveau 4. Je vais faire tout de suite la mine d'or pour nous remettre à feu économiquement. Thanos a obtenu le trait pilleur. Revenu provenant des raids, plus 5%. Oh, il y a la peste à Naginov. Tiens donc. Je devrais faire gaffe, moi, avec la peste. Ouais, c'est ça, en fait. C'est le peloton, en fait. Moi, je passe devant. Thanos, il me suit. Ensuite, c'est les autres, quoi. Oh, les défenseurs du Grand Dessin ont été éliminés. Excellente nouvelle. C'est ça, moi. Il faudrait que je termine les scénarios d'ailleurs. Tiens, je me fais penser. Alors, on ne fait pas devant aussi, qu'imbécile. Voilà. On va la mettre à sac. Elle ne méritait que ça, cette ville. Tu peux t'en emparer ou pas, Azag? Hey! Au revoir, Karakazag, merci de m'avoir fait chier. Alors, je réponds de l'ordre public, je vais te mettre en reconnaissance, Momon. Et j'ai rien d'autre. Ah, si, spécialiste, ça peut être utile. Donc, ça fait deux des trois factions qu'on a détruites. Hein. Il nous reste que le qui se lève. Et on occupe l'une des 8 colonies qui nous demande dans la liste, à savoir Karakadan. Par contre, Thanos, tu vas me tracer jusqu'à. Comment elle s'appelle? L'antre de Grashnak. On va en avoir besoin. Ouais, moins 23, il va faire mal. Hein. La colonie, je vais la laisser se réparer toute seule. Et je vais faire de l'infanterie ici. À Karakungor, je vais la passer au niveau 4. Il me reste encore 5000. Alors, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour l'armée? Exploitons-les, on va faire ça pour les gobos qui ne savent plus meurtriers. Oh non, c'est une rébellion de nains, mais non, mais les gars, s'il vous plaît. C'est une plaisanterie, là, le jeu. Des nains encore, quoi. J'espère que les druides vont s'en occuper.
C'est vraiment une mauvaise blague là. Ouais, c'est pas encore une grime, non. Ça, c'est dégueulasse. Hein. Comme par hasard, je prends la ville, il revient, bien sûr. Et il me pille en plus, bah bien sûr. Mais lol. Après, on dit que je vais râler, hein. Mais je vous jure, j'ai envie de râler là. T'inquiète pas, je vais être en guerre contre le rouge, c'est prévu. Le jeu se fout de ma gueule. Il me chie dessus, littéralement. J'espère que je... J'espère être à portée. Dites-moi que ça passe, dites-moi que ça passe. Excusez-moi, mais je jouis, mais littéralement. Ouf. Vous la sentez, la douille pour eux, là? Bye bye. En plus, je récupère 1700 grâce à eux. Et un talisman pierre de l'aube. Je fais pas du maf à cordes avec ses comment il jouit en vidéo, c'est marrant quand même. Par contre, attendez, il y a une autre opportunité, les gars. Regardez, ce connard là, il nous pille depuis tout à l'heure. On va s'occuper de lui. Ce sera la dernière bataille avant que j'arrête le stream. Il faut que je le tue impérativement. Je sais que je prends un gros risque, mais je pense que ça peut valoir le coup là. C'est le chef de faction justement, c'est pour ça que je le focus. Ils sont plus nombreux que nous sur le papier. Hein. Ouais, je vais tout faire pour le confédérer. Allez, venez les gars, on a besoin de vous. On va aller le chercher avec le bout. Oulala, il y a du monde, attention. Le bout, tu vas faire gaffe aussi à ta vie. Si j'arrive à le confédérer, on est bien là. Je vais tout de suite faire le regard de mort sur l'autre là. Et toi, tu vas me choper ça là. Oh là là, ils sont en train de prendre cher, ça fait plaisir. Attendez, je suis con. Mon pied de gork. Donc ça passe. Ouh, le moral il a pris cher d'un coup, là ça fait plaisir. Ouh, Zach, qu'est-ce qu'il me fait? Ouh, là, Zach, reviens, reviens malheureux. Ouh. Évidemment, ils se retrouvent en mêlée, bien sûr. Allez, c'est la bataille du Nawak. On va perdre notre rôle. Bon, c'est pas plus mal d'un autre côté. On a une meilleure puissance de feu que sur le papier. On va s'en occuper, quoi.
Mais sors de là, Loubou. Qu'est-ce que tu me fais? Loubou, allez, là-bas, vite. C'est n'importe quoi cette bataille, je suis d'accord, si vous êtes d'accord avec moi, dites-le. Par contre, sors de là, Zach, s'il te plaît. Attends, il est où le chef là? Loubou, sors de là, ça fait une heure que je te demande. Mais il est où? Zach, sors de là, bon sang. Ah eux aussi ils ont la voix, bah logique, hein, c'est bien. Il est là, t'as un chaud ici. Vas-y, j'ai réussi à le sortir de là, mais c'est chaud. Par contre, Loubou, j'ai le regret de t'annoncer que tu es décédé. Allez, allez, montre, fais-lui mordre la poussière, Thanos, fais-lui mordre la poussière, s'il te plaît. Allez, la nouvelle voie, vite. Allez, là-bas ça passe, là-bas ça passe. La victoire est à portée de main si je me fais pas choper à Zag aussi. Hein. Allez, concentrez-vous sur lui, là, les archers tirez là-dessus. Là, il faut le fumer, Sidio. Oh, ça passe. Je vais prendre cher, mais ça passe. Et Thanos, il va peut-être l'achever. Ouh, Azag. Azag. Yes, il est blessé. Je crois que c'est bon. Putain, quel bordel cette bataille. Normalement je l'ai tué, normalement la fait. Est-ce que je dois tuer l'armée? C'est ça que je me pose comme question. Par contre je crois que Momon et Loubou, vous êtes morts les gars. Bah c'est pas. Je vous remettrai. Hein. Ah ça fait chier quoi. Peut-être Momon a survécu avec un peu de chance, mais j'y crois moyen. Un peu mal micro-géré. Oh putain, Momou la bonne décède. Désolé les gars. Attends. Non, je l'ai pas eu. Désolé. J'essaie de le choper, je vais me mettre en marche forcée. Merci pour ton raid, Sir Madness. Bienvenue à toi et à tous tes viewers au passage. Bah, j'allais finir le stream, donc on va essayer de le finir cette armée. Allez, on les fume. Tiens, des gobos. Par contre, elle est où? Il y a l'arnaque là. Je l'ai démoli, je devrais le confédérer logiquement. Bah oui, regarde. Regarde Thanos, grincheux récidive. Il n'y a que lui qui...
Je joue les gobelins de Azag le Massacreur, les orques de Azag le Massacreur, Bibereur. Non, mais le jeu, il se moque de moi, là. Bah, après, tout le monde joue le gros gobelin Big Burger aussi, donc voilà, quoi. Donc, moi, je voulais changer un petit peu. Non, ça servira plus à rien, vu que j'ai plus de catapultes et de trolls. Bon, j'ai amélioré Thanos en compétences. Tiens, j'ai encore buffé les gobelins avec Thanos, ça devrait le faire. Je vais partir sur mettez-le au boulot. Je vais voir si j'ai l'événement de confédération, mais normalement je dois l'avoir, je l'ai éliminé. À moins qu'en légendaire il y a une règle spéciale qui dit qu'on ne peut pas le confédérer, mais j'y crois moyen quoi. Ah, on a rencontré le clan Mulder, donc avec Kislev l'affrontement ça se passe mal pour Kislev on dirait. Non, on les intercepte pas. Oh putain, évidemment. Bah oui. Même si je la fais, je vais perdre. Je vais la faire en auto, tant pis. J'ai vraiment pas de chance, hein. Alors au moins d'un autre côté, si on va se refaire, j'espère. Dites-moi que j'ai l'événement quand même. Faites pas les chiens le jeu quoi. Ouais, c'est assez dégueulasse. Mais là, si on me dit que j'ai pas la faction. Putain, le jeu il se fout de ma gueule en fait. Son chef, la récidive. Je l'ai tué au combat? Bah non. Bah non. Super le jeu. Super. Bon, on va recruter une armée, on va essayer de pas paniquer. Voilà, là c'est un vol du jeu, clairement quoi. Dans combien de temps il revient à Zach? Dans 3 tours. Ok, bon, on va se mettre en PLS dans un coin, on va essayer de tenir. Ouais, là c'est vraiment son nom quoi. Ouais, mais il faut que j'ai un bon. Comment ça s'appelle? Il faut que j'ai une bonne armée, un bon rang de force. Bon, je vais lui prendre Danseur en série. Je vais remettre Thanos, son chef gobelin de la nuit. Et on va repartir sur une armée full gobo. Donc 5, 6. Donc j'ai juste recruté déjà. À mon avis, je vais perdre Carcadon, je vais la perdre, c'est obligatoire. La garnison ne tiendra pas. Par contre, l'Ampe de Grashnak, il y a peut-être moyen qu'elle tienne. Hein. Enfin, on verra. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ah, j'ai pas de grand-chose à faire en technologie. Ah si, pointe de flèche plumieux, ça peut être utile pour les gobelins de la nuit. Pour les archers, plus de munitions et tout ça. Je vais pas améliorer Carcadon, je vais pas prendre de risques. Ouais, là j'avoue, ça me paraît chaud parce que là je l'ai fait une fois en test en très difficile. Je l'ai buté, j'ai eu l'événement. Je sais plus s'il y avait quelqu'un qui l'avait vu en plus à l'époque. Je comprends pas. Enfin bref, on va refaire notre armée. Et on va pas paniquer. Peut-être que je ferai une VOD un peu plus longue, le temps de reconsolider mes positions. Mais vraiment, le légendaire avec Azak, c'est pas si facile. Hein.
On l'a volé l'idée à ses elfes puants. Munitions pour les gobelins et gobelins de la nuit, plus 10%. Puissance de tir, plus 10%. Et amélioration de matériaux pour les... Bon, la passe du pic, je vais peut-être la perdre, hein, mais bon. Par contre, ils osent pas assiéger la ville. C'est plutôt un avantage pour nous. J'ai 5, 6, ouais. Alors. Alors, t'as un deuxième joker, Thanos, tout le monde aura un joker. Là, on a plein d'objets. On va prendre blessé post-bataille. Commandement pour les gobelins de la nuit. Revenu des mises à sac des colonies. Ah non, ça, on va garder. Nouvelle recherche disponible. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Pour les orques noirs, on n'en a pas. On pourrait déjà recruter un des généraux légendaires, mais on n'a pas les fonds, quoi. Je vais pas faire de technologie pour le moment, puisque, bah... Attends, quoique. Ah non, si je suis obligé de faire des... Si je fais pas ça, je vais être dans la merde. Je vais pas faire de technologie. Je vais garder mes sous. On va refaire notre armée. On va faire la mine d'or à notre capitale et après on verra quoi. Par contre c'est... Ah je suis un peu amer là, le jeu qui s'est foutu de ma gueule. Normalement il y a une mécanique qui dit tu tues le chef ennemi, il meurt. Et enfin la faction, tu as un événement de confédération et c'était lui. Bon on va aller le chercher. Si je veux tricher. Eh ben on va tricher aussi. Je la fais pas, tant pis. On va les affaiblir comme ça. Ok, récupère l'ordre de Grashnak. C'est un peu prévu, mais bon. Ah bah oui, j'ai les nains aussi du tueur. Bah, tout ce que j'ai fait, je peux recommencer. Voilà, super. Voilà l'épisode. Ah, je suis dégoûté, putain. Le jeu qui m'a clairement mis une carotte dans le baba. On va partir. Alors, on a 6 gobos ici. Je vais en rajouter 2 comme ça. Je vais recruter un héros aussi, tiens. Qu'est-ce qu'on a de bon? Oh, un maître d'armes. Ouais, clairement. Vite en dire. Lacère tout. Hop. Comme il a dégâts des armes perforantes plus 35%, autant jouer là-dessus. Hein. Ce jeu qui me fait tourner en bourrique, hein, sincèrement. Là, j'ai vraiment des boules pour le coup. On va reculer. Ah bah, il me pourchasse, tiens donc. Bon. On va essayer, on a l'avantage on va essayer de l'éliminer, mais bon, ça va être compliqué, il a combien d'attaques lui? Ouais, il a
a 58 d'attaque. Hein. Bon, on va se laisser là, on verra ce que ça, comment ça se passe la campagne demain. Ouais, on va faire un peu de suspense, j'espère que ça va vous plaire. Je vous dis à demain pour la suite de cette campagne. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et autres, ça fait plaisir. Sinon, bah, à la prochaine, c'était Kaiser von Karstein. Voilà. Alors là, le jeu qui m'a mis un gros fuck, mais c'est pas grave. Bon, on va se laisser là pour ce soir. Demain, on reprend ici. On va essayer de se saisir, enfin, de se sortir de cette situation. Et on verra ce qui nous attend. Je vous dis à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain. C'était Kaiser von Karstein. Merci encore à Thanos, Momon, Lubou et les autres pour votre présence et aussi les Wurtzirmanes et son raid. On se dit à la prochaine. Ciao, ciao.